Salut tout le monde, c'est Sou. J'espère que vous allez bien. Là, je m'en rends pas compte, mais ce soir, je pars au Japon. Ouais. Là, il va être 13h et je m'envole à 19h20, je crois que c'est ça. Donc, je pars à l'aéroport vers 16h30, histoire d'y être un petit peu avant. J'ai pas encore fait mes valises. Je vais aller le faire là tout de suite, juste après ce petit passage. Ouais, je suis pas stressée sur ça, on va dire, hein. De toute façon, j'ai pas énormément de choses à amener. Ce sera plus au retour où les valises, ça va être un enfer. Mais du coup, voilà, je suis trop trop contente. Je pars au Japon. C'est un rêve qui se réalise, un de mes plus grands rêves. Et c'est trop bizarre, mais je m'en rends pas compte là comme ça en fait. Je sais pas. Je pense que j'arriverai à m'en rendre compte quand je serai à l'aéroport parce que là, c'est trop bizarre en fait comme sensation. Je sais que je pars et en même temps, j'en ai pas l'impression, mais je suis trop trop contente. Je vais du coup vous faire plusieurs vlogs au Japon. Le plan, c'est juste de se balader, de se laisser porter. J'ai pas un planning de prévu ou autre, j'avais pas envie de ça. C'est la première fois que je voyage tout court, c'est la première fois que je vais prendre l'avion. Ça me fait un peu peur par contre. Et j'avais vraiment pas envie de suivre un planning précis et de me mettre des obligations en fait. J'ai juste envie de profiter, de me balader et de découvrir plein de choses. Voilà, juste de flâner au Japon, c'est trop bizarre de dire ça. Bref, j'ai trop trop hâte. Et du coup, je vais vous faire quelques vlogs. Je sais pas si je vais faire une journée un vlog. Je verrai, on verra, nous verrons. Mais voilà, j'ai très très hâte de vous faire découvrir mon voyage à travers mes vlogs, de kiffer avec vous. En tout cas, moi, j'ai profité à fond. Et écoutez, c'est parti pour le grand voyage. Bon, là, c'était parti pour le grand voyage direction l'aéroport. J'étais vraiment, vraiment stressée hein, parce que je n'ai jamais pris l'avion. Mais j'avais vraiment hâte. Je sais pas si je me rendais encore compte à ce moment-là. Mais voilà, on a passé tout ce qu'il y avait à passer. Et puis c'était direction le Japon. Mon copain, il était trop trop content. Il était surexcité là. Comme vous pouvez le voir, c'est le petit monsieur qui est avec la veste orange. On avait vraiment vraiment hâte. C'est vraiment un rêve qui se réalise en fait. J'arrivais pas encore à m'en rendre compte. D'ailleurs, j'étais étonnée, on avait un premier avion à prendre d'une heure et voilà, ils nous ont donné une petite collation, je m'y attendais pas. Et par contre, la vue, elle était incroyable. Bon, j'ai un énorme vertige, mais comme il faisait nuit, c'est un peu comme si je regardais les étoiles dans le ciel en fait, donc j'avais pas trop peur. Les sensations par contre de l'avion au décollage et à l'atterrissage, elles sont affreuses, ça me faisait trop 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 peur. Mais c'est juste sublime. La vue, elle était incroyable. Je suis trop contente d'avoir pu filmer ça vu que du coup j'étais vers le hublot. Pour le long voyage, par contre, j'étais pas du tout vers le hublot. J'étais au milieu. Et là, c'était vraiment parti. Et enfin, voilà. Tokyo, on y est. Là, ça faisait bizarre. Évidemment, les petites gachas à l'aéroport. Ça faisait bizarre de les voir en vrai, je les avais vus qu'en vidéo jusque-là. Et ma petite chambre d'hôtel, qui est vraiment sympa du coup. Ouais, il y a vraiment de tout, hein, petit micro-ondes, ça c'est moi. On a la petite salle de bain avec les toilettes japonaises et sa cuvette chauffante, c'est incroyable comme concept, j'adore. On a du coup voilà le lit, petit bureau. C'est petit mais il y a tout ce qu'il faut, c'est sympa, c'est confortable, on aime beaucoup. On avait même voilà le petit chauffage en haut, c'était parfait.
Là, il se faisait faim, j'avais trop trop faim. Donc avec mon conjoint, on a décidé d'aller au Combini pour la toute première fois au 7-Eleven. Et bah, ça fait trop bizarre encore une fois de voir ça en vrai. J'avais vu que des vidéos jusqu'à présent. Il y avait plein de trucs que t'as envie d'essayer. Moi j'avais pris un petit melon de panne au melon, une petite boisson, des onigiri. C'était sympa. Ça faisait du bien, surtout de manger un petit peu. Et j'étais claquée, donc après, bah, je suis allée me coucher. Hello! Bon ben, j'ai passé officiellement ma première nuit au Japon. Du coup, on est situé à Asakusa, dans un hôtel qui est plutôt sympa, hein. J'ai une belle petite chambre, comme vous avez pu voir. Et là, il est 6h du matin. Il est 6h du matin, j'arrive plus à dormir. En même temps, j'ai aussi un petit peu dormi dans l'avion, donc je pense que ça joue. Du coup, pas de programme vraiment de prévu là, mais je vais aller tout d'abord au sanctuaire d'Asakusa parce que je suis vraiment pas loin du tout. Et je pense que je vais aussi enchaîner par la Skytree qui est aussi pas loin du tout. Donc ça va déjà être les deux prochaines destinations. Et puis on verra par la suite ce qu'on fait, ce qu'on mange. Ouais, on va se laisser porter. Donc on se retrouve juste après, bah du coup, au sanctuaire d'Asakusa. Et nous voilà arrivés au sanctuaire. Regardez-moi cette beauté. C'était gigantesque. C'était magnifique. C'est super impressionnant à voir en vrai. Là, tout était encore fermé. Il n'y avait aucune échoppe, rien du tout. Il était super tôt, donc il n'y avait personne presque. C'était incroyable. On avait le lieu rien que pour nous. C'était calme, c'était apaisant. C'était vraiment incroyable. C'était juste magnifique. D'ailleurs, on y est retourné un peu plus tard et là c'était pas du tout la même ambiance, c'était blindé de monde, c'était un truc de fou. Là c'était juste apaisant et ça faisait trop trop du bien. J'ai même décidé de me tirer la bonne fortune. Et là, c'est le drame. Je vous ai fait une avance rapide parce que c'était une cata. Les caractères étaient à moitié effacés, donc j'arrivais pas à trouver, bah, j'arrivais pas à trouver le bon, quoi. Donc, j'ai vraiment galéré. Mais au final, je l'ai trouvé et j'ai pas eu une bonne fortune. C'était plutôt mauvais, donc j'étais un petit peu triste et je l'ai vite attaché pour rompre tout ça. Et sinon, vous pouvez réadmirer à quel point c'est beau. Je vous jure, c'était gigantesque en plus. Là, il commençait à y avoir un petit peu plus de monde. Mais ça allait encore. Franchement, c'est juste sublime. On a même vu des petites carpes koi, elles sont trop mignonnes. Là, il était encore très tôt, donc tout est encore fermé. Mais les allées à droite à gauche sont magnifiques. Évidemment, à 10h, il y a une boutique avec que des cachapons qui est ouverte. Donc, évidemment, qu'on y est allé pour tenter notre chance. Il y en avait plein, il y avait de tout, c'était incroyable. Oui.
J'étais trop contente, j'ai eu un petit strap de Marine, de Sexy Cosplay Doll, et j'ai recommencé, j'ai eu Marine et Gojo, c'est celui que je voulais, donc j'étais trop trop heureuse. Après voilà, on a fait encore 2-3 petites gachapons, et après on a bougé, on est tombé sur un Don Quichotte, et c'est trop cool. Bon, j'ai pas vraiment filmé dedans parce que j'avais peur de ne pas avoir le droit, mais voilà, un joli escalier. Ensuite, on est tombé dans une salle de jeu. Donc il y avait plein de trucs, il y avait les taiko, il y avait aussi les machines à pinces. C'était trop cool. Je me suis retenue pour le coup de jouer, mais c'était super sympa. Après, voilà, on a le fameux caca doré entre parenthèses et la Tokyo Sky Tree. Vous allez voir, ça sera la prochaine destination. Bon, là, on est tombé sur un magasin dans la Tokyo Sky Tree qui est super cool. Il y avait plein de trucs et c'est là que j'ai commencé à vraiment dépenser un peu mon argent. Ah, je suis tombée sur du Kingdom Hearts, ça m'a perdu, hein. Mais c'était trop cool, il y avait vraiment de tout. C'était incroyable, c'était gigantesque. Après, on est tombé sur un magasin Hello Kitty. Il y avait des choses trop trop mignonnes. J'ai failli craquer sur un mug Gudetama. Et sur une peluche, elles sont trop belles. Après, évidemment, on est tombé sur un Pokémon Center. J'ai pas trop filmé dedans non plus parce qu'il y avait un monde fou. C'était un peu étouffant. Mais voilà, c'était trop cool. Bon, malheureusement, je suis pas montée en haut de la Tokyo Sky Tree parce que j'ai un énorme vertige. J'aurais vraiment pas pu. Mais on a vraiment fait bien le tour quand même. On a vu des choses magnifiques. Regardez là, la nuit, elle est éclairée. Et on se retrouve très vite pour le prochain vlog.